Le 15 mars, n'oubliez pas de voter. Surtout, déplacez-vous et votez pour Patrice Leclerc, votez pour la liste d'union, ne vous trompez pas. Alors, Céline Lannonzelé, j'ai 42 ans, je suis enseignante dans l'éducation prioritaire depuis 18 ans. J'exerce mon métier avec passion. J'enseigne l'histoire, la géographie et je m'investis par ailleurs dans de nombreux projets pour mes élèves. J'ai trois enfants de 7 à 12 ans, un petit garçon au milieu qui a 10 ans. Ils sont tous les trois scolarisés à Gennevilliers. Ils y sont très bien. Qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Je cours. Je passe par les Cévines. Oui. Je fais la petite montée des Cévines. Ouais. Ensuite, je file sur les Chantraines. Je traverse les Chantraines. Je vais sur le bord de Seine. Je longe la Seine en direction d'Argenteuil. Mmh. Et puis, quand je suis un peu courageuse, je file sur l'île Saint-Denis. Voilà. Moi, je trouve que l'ensemble du programme est séduisant. Ouais. Parce qu'il a été réalisé par une équipe qui a de l'expérience. Et on sent qu'il y a de l'expérience, qu'il y a de la réflexion, qu'il y a du vécu, des pratiques de terrain dans ce programme. Donc il y a des choses très, très réalistes. Tout l'aspect social du programme est pour moi le plus intéressant et le plus important. Et notamment toute initiative sur l'aide au logement. Je pense qu'il faut absolument faire en sorte que Gennevilliers puisse loger toutes les populations sans condition de ressources. Donc ça c'est important, il faut préserver absolument cette mixité-là. L'autre aspect du programme qui attire mon attention aussi, c'est sur le travail et tout ce que l'équipe municipale veut faire pour favoriser alors non seulement le commerce local, mais aussi le bassin d'emploi de Gennevilliers. C'est important de donner du travail aux gens. Voilà.